Juliette Lozon, bonjour, bienvenue sur nos antennes. Re-bienvenue, c'est une habitude, mais agréable habitude ici à Rocamadour. Donc ce n'est plus Mons, ce n'est plus Bruxelles, ce n'est plus Elle se livre. Bienvenue à Rocamadour. Bonjour Philippe, je suis extrêmement ravie d'être ici parce qu'on m'avait chanté les louanges de Rocamadour, mais c'est encore plus beau que je ne l'imaginais. C'est superbe ce point de vue, c'est à chaque fois un coup au ventre de plaisir et de beauté. Il y en a envie de s'arrêter, de s'asseoir, de contempler, de rester sa journée tellement c'est beau, c'est vrai. Alors aujourd'hui nous sommes entourés de deux lascars que j'adore, hein, représentants de Radio Vicomté. Nous avons Christian à ma gauche qui va tenir le combat contre Jean-Marie Lacot. Merci pour votre accueil à tous les deux. Merci Philippe, bien entendu, de répondre chaque année présent à ce petit jeu d'interview d'auteurs sur ce magnifique site de Rocamadour de l'Hospitalet. Et c'est vrai qu'on a pour mission de faire découvrir des auteurs. Là aujourd'hui, avec Juliette Noton, c'est plus facile puisqu'elle est quand même connue. Après, il y a des autres auteurs qu'on a plaisir à faire découvrir aux visiteurs venus nombreux. Alors Juliette Noton, il y a un fond d'accent belge dans votre voix, et vous habitez Lyon et vous adorez la cuisine. Alors est-ce que c'est le fait d'habiter Lyon et de connaître ses traboules et ses petits bouchons qui vous a fait aimer à ce point la cuisine, au point de faire partager par écrit et par oral aussi, puisque vous avez des chroniques radio? Mais écoutez, ils m'ont pas fait aimer la cuisine, parce que la cuisine je l'aime depuis toujours. Je viens d'une famille de gourmands, elle-même issue d'une famille gourmand, qui eux-mêmes avaient des racines gourmandes, donc bon sang ne saurait mentir, je perpétue la lignée. Ce n'est d'ailleurs pas difficile, parce qu'être gourmand, c'est une vocation qui peut s'apprendre, mais qu'on a aussi dans le sang. Donc dans ma famille, on pratiquait la cuisine de fête, à tel point que j'ai voulu rassembler dans un recueil toutes les recettes, non seulement de ma famille, mais aussi de tous mes mentors culinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement de ma famille, mais que je considère comme mes ancêtres spirituels, c'est-à-dire les cuisiniers qui m'ont appris non seulement à aimer cuisiner, mais à aimer manger. Parce que quand j'étais petite, j'étais comme beaucoup d'enfants, j'aimais la pizza, les bonbons, mais hors cela, point de salut, le reste ne m'intéressait pas du tout. Et voilà, j'ai donc fait mes premières armes de gourmettise, je dirais, avec quelques cuisiniers qui m'ont appris à aimer des choses un peu plus évoluées que ce dont je viens de parler. Alors pour vous, le repas idéal, qu'est-ce que vous aimeriez avoir à la carte de ce repas idéal? Ce serait extrêmement difficile. Vous connaissez l'histoire de l'âne de Buridan dans la Bible, qui est mort entre un seau d'avoine et un seau d'orge, ne sachant lequel choisir. Là, vous me posez la même colle. Je pense que je choisirais selon la saison et puis selon mon humeur, tout simplement. Comme il y a des jours où vous avez envie d'une crêpe et puis le lendemain, vous aurez envie d'une boule de sorbet au citron, vous ne savez pas pourquoi, peut-être parce qu'il fait chaud, peut-être parce que vous avez moins faim, peut-être parce que vous avez un souvenir qui affleure votre mémoire et qui vous donne envie de quelque chose que vous avez mangé tel jour, à telle époque, pendant tel événement heureux. Voilà, donc je vous répondrai que ce sera selon mon humeur, selon le moment et selon le climat également. Alors moi j'ai envie de dire qu'elle devrait ajouter un petit bout de tout, puisque son éditeur s'appelle Boubou Noider. Alors Juliette, je crois que vous venez de sortir un nouveau roman. Je sors un nouveau roman jeunesse, un nouveau recueil de nouvelles, deux nouveaux recueils de nouvelles, pour petits et grands. Et je sors également ce livre de cuisine dont je viens de vous parler, de cette recette ancestrale, que j'ai baptisé « Cuisine politiquement incorrecte », parce que c'est vrai que de nos jours, c'est pas bien d'aimer le beurre, c'est pas bien de manger du saucisson bien arrosé. Mais voilà, c'est pas bien, mais comme j'avais une petite cousine qui disait quand j'étais petite, elle disait « c'est pas bon, mais ça goûte bon ». Traduction, c'est pas bon parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas dire que c'était bon, mais en fait moi j'aime bien. Et nous sommes un peu tous comme ça, déchirés entre nos contradictions diététiques et nos contradictions gourmandes. J'ai voulu réconcilier le tout en un livre de recettes à la fois familiales et pas du tout diététiques, mais tout simplement en disant, mais voilà, faites-les ces recettes, mais faites-les les jours de fête. Vous n'êtes pas obligés de manger une recette pleine de beurre tous les jours que Dieu fait, parce que sinon vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus aller à l'école, vous n'aurez plus d'énergie, mais ce n'est pas une raison pour autant pour s'en priver.
Alors, on va vous montrer la couverture du livre et on comprend tout de suite ce qu'est la cuisine politiquement incorrecte. Voilà, cette petite fille barbouillée de chocolat avec de jolies moustaches bien sucrées. Après, je pense que dans notre France ou même dans d'autres pays, dont la Belgique, il y a des spécialités, il y a les produits du terroir, il y a des produits naturels. Rien n'est plus bon que de profiter des produits de son jardin, des légumes de son jardin qui ne sont pas traités de façon naturelle. Et alors moi, pour ajouter par rapport au régime, les restrictions qu'on se fait, moi je pars du principe, on m'a toujours dit, il vaut mieux faire envie que pitié. Donc... il faut profiter de la vie, je pense. Mais oui, bien sûr. Et autre proverbe, on n'a que le bien qu'on se fait. Voilà. Voilà, donc ce livre fait partie de ces maximes-là. Mieux vaut faire envie que pitié, et on n'a que le bien que ce qu'on se fait. Et c'est sûr que le bien que vous faites à votre âme et à votre gourmandise, vous le faites forcément à votre corps, même si ça paraît paradoxal. Et alors ici, en pays occitan, on a un proverbe qui dit « Au plus le pantalon est large, au plus l'homme est fort ». C'est tout à fait vrai, oui, mais c'est du muscle, hein, évidemment. Mais oui, évidemment, oui, oui. On est tous d'accord. Oui, on est tous très d'accord. Alors moi qui suis lyonnais de naissance, je sais combien la gastronomie est importante à Lyon. J'ai découvert la Corrèze très jeune et j'ai du mal à comparer quand même. On a chacun ses spécialités, mais chaque moment est un plaisir, en fin de compte, de découvrir les goûts, les saveurs. Mais par contre, je n'ai jamais retrouvé, alors je ne sais pas, vous allez peut-être me dire si c'est normal, je n'ai jamais retrouvé les saveurs de mon enfance. Le même plat, mangé quand j'étais enfant, n'a pas la même saveur que maintenant. Écoutez, là, je vais vous donner l'explication scientifique que m'a révélée une amie œnologue. Une œnologue, c'est quand même quelqu'un qui est un spécialiste du goût. Oui. Tout oui. Simplement, nous naissons tous avec un certain nombre de papilles gustatives qui sont concentrées sur une toute petite langue d'enfant. C'est pour ça que les enfants ne perçoivent pas les saveurs comme nous, adultes, les percevons, parce que notre langue grandit, mais pas le nombre de papilles gustatives. Ah oui. C'est pour ça qu'un enfant, un bébé, va faire des grimaces quand vous lui donnerez un petit morceau de pomme, parce que pour lui, cette pomme paraît extrêmement acide. Nous ne retrouverons plus cette acidité une fois grandi. C'est le premier pan de l'explication. Le deuxième pan, c'est que le sens du goût est le sens qui vieillit le plus vite. À partir de l'âge de 13 ans, les papilles gustatives commencent à perdre de leur acuité. Et ils suppléeront à cette déchéance, entre guillemets, physique, suppléera uniquement notre mémoire. D'accord. Et c'est pour ça que nous aurons besoin de mémoire pour suppléer au goût que nous avons partiellement perdu. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas facilement nos madeleines. Il y a une partie psychologique, mais oui. Il y a aussi une partie purement physique. Sachant ça depuis toujours, depuis quelque temps, je peux l'expliquer que... Comme ça, le fait qu'on ne retrouve plus ses goûts d'enfance, et bien évidemment, les produits aussi ont changé. Le oui. pain n'a plus le même goût, les farines ont changé, les fruits, les légumes, on a trouvé des hybrides, on les a croisés, on les a bidouillés, on les a OGMisés, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les produits changent de goût aussi. Tous ces facteurs réunis font qu'effectivement, à part quelques très rares exceptions, on a un mal fou à retrouver la saveur exacte de l'enfance. Mais... selon moi, la partie principale, c'est aussi le côté psychologique. Alors, il y a aussi un côté important, Christian. Il ne faut pas confondre les papilles gustatives avec les papilles gustatifs. Oui, évidemment. Mais alors, est-ce que, justement, aujourd'hui, il y a une grande bagarre entre les produits, on va dire, chimiquement modifiés et les produits naturels? Alors, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir un jour retrouver un certain goût, une certaine qualité à la nourriture? Est-ce que vous ne sentez pas, j'allais dire, une poussée de monsieur, madame, tout le monde vers le retour de ces produits dits naturels? Mais j'en suis persuadée. Déjà, moi, j'ai pu observer l'évolution. Je suis une enfant des années 60-70 et le pain que je mangeais quand j'étais petite était beaucoup moins bon que le pain qu'on mange aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un jour, au courant des années fin 80, début 90, les gens en ont eu marre de ne plus trouver que de la baguette caoutchouteuse qui devenait incomestible à partir de midi alors qu'elle avait été cuite le matin. Ils en ont eu marre de jeter et tout simplement de ne pas retrouver leur goût d'enfance. Il y a eu un retour aux sources qui,
qui se fait déjà depuis les années 2000 environ, mais qui ne fait que croître et embellir, qui est paradoxal parce qu'il est jumelé à de plus en plus de produits chimiques dans l'alimentation quotidienne. Mais les deux pans existent et je pense que ça devrait évoluer favorablement vers un retour, surtout dans un certain pan de nos éducations alimentaires, retourner vers des produits purs, des produits bruts et des produits pas trop transformés, parce qu'on nous informe de plus en plus sur le danger des produits transformés. Oui, évidemment. Et aussi de donner envie de recuisiner. Alors aujourd'hui, vous avez énormément d'émissions culinaires qui ont beaucoup de défauts parce que c'est de la télé-réalité, mais qui ont au moins le mérite de redonner envie aux gens de cuisiner, de choisir leurs produits, de faire leur marché, de leur redonner le sens des saisons et le sens du local. Et je pense, moi je suis d'un naturel optimiste, et je crois que ça ne pourra aller que dans le bon sens, même si ce n'est pas adopté par tout le monde. Alors c'est assez amusant, hein, parce que vous retrouvez ici au salon de Rocamadour, et votre vis-à-vis parle également de façon culinaire, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire il parle du vin Jean-Pierre Allot. Et c'est un rêve, un de mes rêves, plutôt une sorte de fantasme littéraire, c'est de vous retrouver un jour face à face. Et c'est Rocamadour qui réalise ce rêve. C'est amusant, vous qui êtes du côté plutôt La Fourchette, lui du côté du vin. Et ce matin, j'ai assisté à cette rencontre et on voyait des deux côtés des étoiles plein les yeux. C'est sympa ce genre de rencontre. C'est toujours extrêmement intéressant parce que le monde du vin, c'est vraiment un monde tellement immense, tellement extraordinaire, tellement changeant aussi. Il faut sans cesse se remettre en question les terroirs, le goût du raisin qui évolue, la géographie qui change, parce qu'avec le réchauffement climatique, bientôt on fera du Bordeaux en Belgique. Il en est à peu près... Oui, ce n'est pas une blague. Ce sont des œnologues qui me l'ont confirmé. Tout comme maintenant, on fait des olives et de l'huile d'olive dans le Bordelais. C'était impensable il y a 10 ans. Tout à fait, mais là, il y a quand même une grande différence, c'est que lui, il tue. Et vous, jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance, vous ne tuez pas encore. Tuer, non, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer des polars meurtriers à coups de fourchette. C'est une très bonne arme. Alors, vous connaissez cette méchante plaisanterie qu'on raconte sur le Lyon et les Lyonnais. On dit qu'il y a 3 fleuves à Lyon. Oui, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Et voilà. Mais ce n'est pas méchant, c'est tout simplement la réalité. Alors, je rappelle pour les visiteurs qui sont présents aujourd'hui à l'Hospitalet de Rocamadour que vous êtes la marraine de ce magnifique salon. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux. Et laisse-moi te dire une chose. Qu'est-ce que ça vous fait d'être marraine d'une 11e édition de ce salon-là? Mais écoutez, une marraine, c'est un titre extrêmement flatteur et honorifique parce que ça a une connotation nourricière. Par contre, aujourd'hui, c'est une grande première pour moi parce que c'est la première fois que je suis une marraine sous les chaînes. Heureusement que vous n'avez pas pris un parrain, parce qu'un parrain sous les chaînes, ça rime plus. Donc voilà, je suis extrêmement honorée, flattée et surtout c'est un très grand plaisir d'être marraine d'un salon aussi extraordinaire, aussi unique, parce que c'est vrai que sous les arbres, dans ce site merveilleux qu'est Rocamadour, qui évoque tout, qui évoque les croisades, Saint-Louis, le Grand Canyon de l'Amérique, d'Amérique, tout à la fois sur un territoire géographique restreint. On est sur une autre planète, vraiment. Alors, on vous rappelle le dernier livre que présente là sur le salon Juliette Nothomb, Cuisine politiquement incorrecte. Voilà, on vous le montre à l'écran. À lire et à dévorer, bien entendu. En tout cas, Juliette, merci infiniment pour ce temps consacré à cette émission, puisque vos fans vous attendent et on vous vole un peu à vos fans. Je vous souhaite un excellent salon littéraire. Et à très très bientôt. À très bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt, merci.